Bonjour à tous et bienvenue sur cette session du Nürburgring. Gros changement dans mon setup puisqu'en fait j'ai cassé un amortisseur Meister Air que j'avais précédemment et je les ai remplacés par des Neova Silver Neomax Silver avec le setup de SPS Motorsport et adapté encore à mes désirs, c'est-à-dire que j'ai changé le 10 kg avant, le ressort de 10 kg à l'avant pour un 12 kg. Je suis parti pour un tour de chauffe. La grosse différence avec les Meister Air, c'est que le Neomax bénéficie de la valve DPV des Hollins et donc sur la route, alors que j'ai mis des ressorts beaucoup plus durs que sur le Meister Air, puisque je suis passé de 10 kg à l'avant, 6 kg à 4,5 kg à l'arrière, pour les Neomax à 12 kg avant, 12 kg avant et 6 à l'arrière. Eh bien, ils sont beaucoup plus confortables que les Meister Air. C'est assez bluffant, je m'attendais à ce que ce soit vraiment catastrophique, et bien c'est juste incroyable. On va faire monter les pneus en température. L'autre grosse différence par rapport au Meister Air, et ça c'est probablement un point faible pour la Nordschleife, c'est que le débattement est plus court. Et donc ça risque de poser problème peut-être, on verra, en termes de motricité dans les virages. Donc les Meister Air ont un débattement plus long. Et on va voir si... la différence. Première prise de contact. Et en termes de confort, c'est juste incroyable la différence. Vraiment incroyable. La sensation que je pourrais mettre encore beaucoup plus dur. Avec les Neomax, on les sent vraiment très fort travailler. Et d'avoir mis un 12 kg devant, ça semble incroyable. Je sais pas si j'aurai l'occasion de faire un vrai tour chrono aujourd'hui, c'est pas le but, puisque c'est l'inauguration le 11 juillet à Spa-Francorchamps des activités mouton noir. Donc on va rester cool, découvrir. Mais oh, c'est incroyable. Sensation de taper comme avec les Meister Air. Après forcément j'ai 2 kg en plus derrière. Et ça a forcément toute son importance. La fois dernière, à ma dernière session, il y avait une petite erreur au niveau du carrossage arrière. Je fasse gaffe aux freins, ils sont pas terribles. Ce sont des nouvelles plaquettes EBC, pourtant elles ont été rodées. Mais j'ai du caoutchouc. Alors pour l'instant la motricité a l'air bonne, mais bon, je suis à 20 secondes trop lent, c'est pas grave, hein. Je
là pour découvrir, mais juste faire gaffe aux sensations de freinage. Ils sont pas bonnes du tout. Avec une Porsche derrière qui me talonne. Allez. C'est vraiment un tour de chauffe. Plus lent, mais les sensations et le setup que j'ai mis là me semble bon. Je sens bien la voiture, je peux mettre du gaz très très tôt, et alors pour l'instant je n'ai pas de soucis de motricité. J'avais un peu peur par rapport à la hauteur, mais ça a l'air de le faire. Oh, je peux vraiment rentrer super vite. C'est incroyable, ça tourne tout seul. Je suis enchanté du setup. La 12-6, ça le fait. Je pense que derrière, ça mériterait peut-être un 7 kg. L'impression qu'on peut passer beaucoup plus vite. Allez, la Porsche. Voilà pourquoi Mouton Noir. Vous avez exactement ici la raison de Mouton Noir. Une voiture légère, pas puissante, qui est capable d'aller chercher dans le pilotage et la vitesse de passage en courbe des voitures beaucoup plus puissantes. Et ça, c'est mon kiff. C'est vraiment pour ça que j'adore ce projet Mouton Noir. Voilà. Allez, mon grand. Oui, oui. T'es obligé de laisser passer. Merci. Oh, les suspensions, c'est incroyable. Incroyable. Je vais pas prendre de risque aujourd'hui, mais c'est juste le fond. J'avais un peu peur également du délestage, mais vraiment, chapeau à Neomax Silver avec le setup SPS. Ils ont fait vraiment du gros boulot.